petite vidéo rapide des Camponotus consobrinus, les australiennes, qui sont en diapause. Donc, vous pouvez les voir avec très très peu de couvain et de colonies. Donc, est en diapause. Au jour d'aujourd'hui, elle compte au moins 150-200 ouvrières. Le seul souci, c'est que ce nid, l'observation n'est pas forcément des plus top, puisqu'il y a des salles qui sont profondes, alors tant mieux, hein. Ça permet de stocker, c'est ce qu'on lui demande, hein. Enfin, moi, ce que je demande à un nid, en général, mais on ne voit pas toujours. Donc là, vous allez voir, je vais faire le tour du nid, qui lui est bien, hein, malgré que ça soit que du simple baissé, qui soit pas, il n'est pas effectivement blindé, hein. Donc, elles le creuseront peut-être un jour, on verra. Comme je vous l'avais dit, cet espace-là, je suis pas sûr qu'elle reste en élevage en 2022, on va voir. On verra. Donc là, elles m'ont fait un beau stock de mouches. Et vous pouvez voir une ouvrière avec une larve. Et donc, elles m'ont chopé pas mal de mouches. Ça fait 2-3 jours qu'elles les stockent sans souci dans le nid. Voilà. Donc, j'en profite pour vous les montrer. Je ne sais pas si on va voir la gyne. Clairement, l'observation. Vu que les galeries sont profondes, c'est pas évident de bien pouvoir observer. Alors là, vous avez un gros média. On a vu, voilà, le média qui est là. Et là, on a des ouvrières aussi. Hop. Je vais faire un petit tour. Un tour de manège. C'est parti, tour de manège. Donc voilà, pour essayer de vous les montrer au mieux. Donc vous voyez, en plus, elles ont un peu sali les vitres, donc c'est pas toujours évident. Et on va faire un dernier tour comme ça. Donc vous voyez que là, il y a des beaux médias, limite. Ouais, c'est un média, un gros média par contre. Presque un majeur, mais pas encore, parce que vous verrez que les majeurs, si j'ai encore cet espace-là, quand j'aurai des majeurs. Elles ont vraiment une tête bien bien carrée. Donc là vous avez masse fourmi, mais je ne sais pas si on va voir grand chose. Donc voilà, hein, cet espace-là s'est bien développé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je l'avais eu en juillet de l'année dernière, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà ce que ça donne. Hop, maintenant. Donc en un an, un peu plus d'un an, bon, on est à 200 ouvrières facile. Voilà. Hop, on va essayer de vous montrer une vue. Un peu plus général de hop du nid, donc voilà. Oui, le nid en lui-même, hop, il vieillit plutôt bien. Hein. On voit qu'il y a quelques petites marques, mais rien de méchant. Ça vieillit très très bien pour le coup. Le fameux sphinx, le fameux nid sphinx avec les patins. Alors j'avais un peu peur avec le qu'elle mette du substrat en dessous en du nid, donc elles le font avec la cuve, hein, clairement, mais pas plus que ça. Et après, moi ça me permet de nettoyer tous les 6 mois. Donc là, ce que je vous propose, donc là, je vous refais un petit tour rapide sur les fourmis. Je vous reprends et quand le nid sera remis dans la cuve. Voilà, et deuxième partie donc de la vidéo. Donc après un nettoyage complet de la cuve, ça donne ça. Donc là, avant, j'avais essayé de les mettre sur coco, donc sur la tourbe de coco en fait. Hein, vous trouvez ça en briques compressées, ça marchait bien. Avant, elles avaient déjà du sable, je sais pas si vous vous rappelez, sable un peu ocre que m'avait fourni en box justement. Et tous les 3-4 mois, bon, en général, quand je vois qu'il y a pas mal de déchets, je change carrément le substrat, hein, de l'air de chasse. C'est le côté assez avantageux. Là, je vais vous montrer un peu la cuve. Donc voilà, hop. Vous voyez que moi, le rendu me plaît bien, hein, c'est basique. Après, ça peut aussi faire un peu kitsch, mais ça fait aussi partie du charme du truc. Et avec le work là, qui m'a fait mon pote, s'il voit la vidéo, tu vois, il est toujours d'attaque, ce fameux petit couvercle. Voilà. Donc, vidéo est très simple. Hein. Je ne sais pas si vous avez pu voir correctement les fourmis. La visibilité, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple. Hein. Mais on fait au mieux pour essayer de vous les montrer. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Salut, salut. Ciao.